Tadaba 99 ou Supergame 3000, et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo multijoueur de Red Dead Redemption où je joue en multijoueur en mode exploration, et peut-être qu'après j'aurai peut-être un petit peu en mode partie en bande, mais je vous promets rien, hein, je peux jamais savoir à l'avance ce que je vais pouvoir faire et tout, hein, même si dans le générique je me suis mis en train d'utiliser des canons et en train de buter tout le monde, hein, dans le générique de la vidéo et non pas l'intro, ce n'est point pareil. Mais ça ne venait pas de cette vidéo là, ça venait de avant que je m'étais enregistré en train de jouer, donc c'est pas forcément dire que je vais le faire dans cette vidéo, mais bon, je vais quand même essayer de tout faire pour que je puisse utiliser ces fameux canons, et puis au pire je ferai dans une autre vidéo les légendaires canons du grand Manumara, hein, juste lui j'ai juste tué pour le fun si j'arrive. Et regardez, j'étais sur une vache. Oh gogol, c'est ma erreur. Bon, c'est pas grave. Hein. Bon, évidemment, je viens de découvrir une fameuse méthode qui est de pouvoir se téléporter en mode multijoueur. Bon, peut-être que plein de gens l'ont découvert avant moi. Probablement plein de gens qui ont découvert le jeu ont sûrement découvert avant moi. Enfin, certainement plein de gens qui ont le jeu ont dû le découvrir avant moi. Hein? Mais bon, moi, puisque je suis qu'un bolo, j'ai découvert comme maintenant. Bon. C'est sur la map qu'il y a plein de gens. Oh non, le seum, il n'y a presque personne. Ah là là, la poule. Le seum. Bon. Je vais essayer de me diriger vers un autre mec. Salut, Bello, c'est pas le teuf. Et c'est pas défendu. Il était un armol. Il y a juste un autre mec là-bas. Ouh, c'est mon anniversaire, il y a plein de gens à buter. Bon, il se passe pas énormément de choses. Les moments d'art, vraiment, c'est quand il y a plein de gens dans la partie, que je suis dans une équipe, ça aussi, c'est sympa. Et qu'on s'amuse à buter toutes les gens de la justice au canon. Ça, c'est des parties vraiment bien, probablement les meilleures parties qui existent. Et je suis mort, j'ai rien pu faire, le mec était derrière moi. Bon, c'est pas grave. Ce qui me saoule, c'est que j'ai pas le fusil de précision dans la partie, enfin dans la session où je peux jouer en ligne. Puisque dans la session où je peux jouer en ligne, j'ai presque aucune donnée de solo. Bon, après, c'est sûr qu'il faudrait que je m'avance un petit peu en solo dans la partie où je peux jouer en ligne. Histoire de un jour pouvoir enfin utiliser le fusil de précision en multijoueur dans mes vidéos, etc. Ce serait génial. Mais bon, pour l'instant, je suis toujours un pauvre, j'ai pas encore de sniper, je dois dire plutôt de fusil de précision, qui est exactement la même chose. Hop, Pénèse. Ne jamais foncer en mode kamikaze vers son ennemi. Ceci est la règle numéro 1. Ah là 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 là. Il est juste là l'autre là. Vite. Oh oulala. Un tir à la tête. Hein. J'ai bien visé en plus. En fait, c'est de ça, vous voyez, aussi que je parlais. Dans la vidéo où je présentais le gameplay. De haut étant que haut, je sais plus comment ça se prononce son pseudo encore une fois, mais dans mon avant-dernière vidéo, je présentais le gameplay de ce très cher abonné et je parlais que souvent quand on vise quelqu'un dans la plupart des jeux, faut avoir le réflexe de mettre le viseur automatiquement vers le haut pour pouvoir viser sa tête pour pouvoir le tuer beaucoup plus vite évidemment en visant un headshot. Et là, vous voyez, c'est ce que j'ai eu et j'ai peut-être pas eu le réflexe tout de suite, mais donc, souvent le réflexe c'est quand c'est tout de suite. Ah, d'ailleurs il m'a tué, il était juste derrière moi, hein. toujours sur sa vache en plus, hein. C'est trop tard ça, je trouve, les vaches. Ah d'ailleurs moi aussi j'ai essayé de prendre une vache. Bon bref, et là vous avez raison, c'est ce que j'ai fait, j'ai visé la tête par exemple, c'était un exemple, hein. Et salut toi, j'imagine que si je tue je vais être encore poursuivi par la justice, parce qu'en fait en mode multijoueur les représentants de la loi sont beaucoup moins tolérants qu'en mode solo. Hein. En mode solo, tu vas pousser une personne, tu vas être en prison. Bon, n'empêche, apparemment dans Skyrim, comme quelqu'un me l'avait dit une fois en commentaire sur je sais plus quelle vidéo, apparemment on va en prison pour une poule. Hein. Tu as tué une poule, tu mérites la mort. Oh là 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 là, c'est atroce. Laissez-moi passer, je vais mourir là. Ah, allez, je vais. Eh ben, je suis molle.
Bon, c'est pas grave. Bon, je vais probablement me téléporter un peu plus tard dans cette... un petit peu plus tard dans cette vidéo. Je vais trouver un moyen de trouver une vache, mais... elles sont où ces vaches? Parce que je suis sûre qu'il y a des vaches quelque part dans cette ville. Ah, ah non, c'est vers là-bas. Je suis sûre que je me souviens en, en solo d'avoir trouvé des vaches dans cette ville. Donc il n'y a pas de raison que ce soit pas en multi. Hein, mais je trouve l'empêche au mode exploration, en fait, il est pas mal. Hein, parce que c'est vraiment comme le mode solo quand on se promène un petit peu partout et tout, puis qu'on admire les décors, mais sauf que là on est vraiment en multi, quoi. Par contre, ce qui est bête en multi, c'est que quand on tue une personne, et ben on peut pas fouiller son corps, on peut pas dépecer les animaux et tout, mais bon. Après, en multi, c'est pas fait pour vendre les trucs des animaux quand on les a dépecés, c'est pour ça qu'on peut pas les dépecer, hein. Et le multi, c'est pas trop pour pouvoir faire du fric, en fait. Donc écoutez, qu'est-ce que je fais là? Parce qu'en fait, je suis un petit peu tout seul comme un paumé en train de chercher des vaches. Hein? Ouais, t'es en train de faire quoi? Oh, je cherche des vaches, Pélo! Ok. Ah là là. Sinon, je peux non toujours choisir, chercher à me personnaliser. Mais bon, ça va être long et tout. Puis, au pire, vous savez quoi? C'est pas grave. Hein. Ou alors, j'essaie de tuer le mec qui est sur la vache et puis de récupérer la vache tout simplement, hein. J'avais pas pensé à ça. C'est moulu et c'est pour que pas la police. Il est moulu. Ah là 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 là. Ouf, putain, j'ai eu le temps de le tuer. Ah non, plus il y a encore un autre mec de la justice qui poursuit. Faut quand même faire gaffe. C'est jamais une très très bonne idée de filer en mode kamikaze, hein, dans ce jeu. Jamais trop trop, hein. Jamais trop trop. Attendez, je vais attendre de plus être poursuivi par la police. Enfin, plutôt pas la justice, je préfère dire. Et je vais tenter de voir sur la carte. Ah d'ailleurs, ça y est, je suis plus poursuivi. Et maintenant, donc, je vais tenter d'aller voir sur la carte s'il y a des gens au canon là. Ah bah non, il y a toujours personne. C'est pas grave. C'est pas grave, non, de ne pipe en bois. Sinon, je peux toujours aller là aussi, mais il n'y a personne. Le seum. Ce qui est assez saoulant, c'est qu'il n'y a presque personne, quoi, dans cette partie. Bon, écoutez, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Ah non, je voulais pas quitter la partie, j'appuie sur le mauvais bouton. Je vais quand même tenter de tuer lui parce que il est balèze celui-là. Hein. Juste pour le plaisir. Hein. Ah. On m'a invité dans une partie libre. Donc par contre, je ne sais pas ce que c'est une partie libre. Alléluia. Je ne sais pas du tout ce que c'est qu'une partie libre car je n'en ai jamais fait de toute mon existence. Donc est-ce que je fais là maintenant? Bah écoutez, vous savez quoi, je vais essayer comme ça dans cette vidéo, il y aura de la partie libre et du mode exploration. Et après, quand je retournerai en mode exploration, j'essaierai de voir s'il y en a là où il y a les canons. Hein. Et s'il n'y en a pas, et ben je changerai de partie jusqu'à qu'il y ait des gens là où il y a des canons. Ce serait tellement bien, vous voyez. Alors, encore 48 secondes, bah, j'ai encore le temps de me faire des gens. Normalement, vous ne le voyez pas sur l'écran, mais... parce que vous savez, je suis allé les zoom en 16/9 pour enlever les bandes noires. Du coup, il y a quelques éléments qu'on voit pas. Et vous, normalement, vous ne voyez pas le compteur de secondes, qu'il est dans combien de secondes. Je jouerai en mode libre. Mais en tout cas, là, il reste 27 secondes. Je sais pas si à l'aide de d'autres montages, je l'afficherai par d'autres moyens avec une superposition. Je pense que oui. Hein. Alors, évidemment, j'espère que vous allez mettre un pouce vert à cette vidéo. Juste. Oh non. Qu'est-ce qu'il avait comme arme? Juste pour voir, attendez. Ok. Attendez là, j'ai bientôt passé en mode libre, en mode partie libre. Ah voilà. Ah bah non, je suis encore en mode exploration. Ah bah d'ailleurs, c'est à 0 seconde la partie libre. Hein. Ah bah ça y est, je me retrouve maintenant dans la partie libre. Ça fait déjà 10 minutes que je fais cette vidéo, mes frères. Sans compter les montages, etc. Mais en tout cas, ça fait 10 minutes que je suis en train de jouer. Oh non, il fait mauvais. Non.
Attendez juste, je vais me tenter de le buter. Homer, attends-moi, je vais te tuer. Oh oh, je suis un psychopathe. Mais arrête de courir là. Oh le. En fait, il est en train de jouer à chat. Je pense. Hein. Bah. C'est pas grave. Hein. C'est pas grave. En plus, moi, je fonce dans les mules. De toute façon, j'ai toujours été nul pour jouer à chat. Hein. Oh, il est juste là. Eh, mais c'est pas quoi tes problèmes là? D'ailleurs, je pense que s'il m'a invité, c'est pas pour rien. Je pense que c'est pour me défoncer en fait qu'il m'a invité, je pense. Portée. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Ça m'énerve quand j'ai jamais le temps de lire. Ça m'énerve. Oui, vers l'or, tu aurais dit ça en 10 minutes. C'est impossible. Bon. Déjà, je ne sais pas où est-ce qu'on les trouve, les 5, les sables, j'imagine qu'ils sont indiqués sur la carte. Donc je vais tenter de me le faire. Ok. Je vais bientôt mourir, c'est marqué en haut, si vous le voyez. Ah bah voilà. Il m'a buté, hein. Le truc est écrit en haut, que vous avez probablement pas dû voir, sauf si j'ai fait une superposition que j'ai affiché autrement. Et ben il disait que j'allais bientôt mourir et je suis bel et bien mort. Donc maintenant, vite un sac. Ah non, c'est du sang-froid, quel débile. Vite. Tentez donc de me diriger vers le sac. Ça c'est quoi ça? On s'en fout. Mais il va bien les tout, c'est faux. Donc je vais tenter de le tuer. Foiré. Oh chouette, en plus j'ai une bonne arme là. Là, le revolver que j'ai a l'air de tirer vite. Génial. Attendez, vite. Faut que j'arrive avant lui. D'ailleurs, pourquoi est-ce que je m'amuse à essayer de siffler mon cheval là? Puisque on peut pas avoir de cheval en mode partie libre ou partie en bande ou je sais pas quoi. C'est un petit peu bête ça, non? Voilà. Un sac capturé. Ouais! Youhou! Bon, j'imagine qu'il faut être le plus rapide donc. Ah, yes. Pourquoi je vais pas aller chercher le sac? Vite. Donc à chaque fois en fait je dois me diriger vers les points jaunes hein, qu'il y a sur la carte à chaque fois que j'ai récupéré un sac. C'est la première fois que je fais une partie comme ça. Hein. Attendez, j'allais récupérer le sac qu'il y a là-bas. Vite. Par contre je sais pas ce qu'il fout l'autre. Hein. Ah, pourquoi d'ailleurs le sac il bouge? Ah c'est lui qui l'a, ok. Ah, en fait, apparemment, on n'est pas que deux dans la partie. Moi, je pensais qu'on pouvait être que deux dans les parties libres, mais non. Oh, en plus, ce bâtard, il a deux sacs sur lui. Ah, ok, d'accord. C'est pas grave, de toute façon, je m'en fous. De toute façon, je suis premier, alors, hein, on s'en fout. Capturer plus de sacs. Écoutez, moi, je fais ce que je peux, hein. Gaspard. Mais Gaspard, dis pas tout, quoi. Aucun rapport. Alléluia, qu'un rapport. Ah, sinon, évidemment, vous pouvez toujours jouer en ligne avec moi ou faire une vidéo avec moi. Il n'y a toujours aucun problème. Ah non, attendez. Vite. Il allait me tuer alors que j'avais un sac. C'est bon, il est mort. Oh non, vite. Ici, voilà, parfait, c'est bon, je m'en fous. Parce que de toute façon, j'ai réussi, je suis le meilleur. Ah, regardez, 3 captures de sac, eux ils en sont que 1 ou 2. Quelle bande de nuls. Foiré! Là! Il est moulu! Ah, il m'a buté, n'est pas le compte. En même temps aussi, j'avais presque plus de vie, j'étais vraiment débile. En même temps aussi, pendant que je tirais dessus, il y avait mon instinct qui faisait que de me dire « Non, ne fonce pas vers lui, tu vas mourir sinon !» Et je l'ai fait, et je suis mort.
J'aime ne pas obéir à mon instinct pour me faire buter. Oh là 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 là. Allez. Ah là, il est mollu. Maintenant, faut que je me dirige vers le gros point jaune parce que vous voyez, à chaque fois que je récupère un sac, il y a plusieurs points jaunes sur la carte. Et je sais, enfin, en fait, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je récupère un sac, il y a plusieurs points jaunes sur la carte. Donc, j'imagine bien que c'est les destinations. Mais pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs des destinations et que une seule des trois destinations où je dois y aller? Donc, je pense que les autres destinations, bah, c'est pour les autres, en fait. Hein, donc, les autres destinations, c'est les destinations donc des autres joueurs. À part que quand on était que deux, il y avait deux points jaunes à chaque fois qui s'affichaient. Quand on est... Maintenant, quand on est trois, bah, il y a trois points jaunes à chaque fois qui s'affichaient. Moi, à chaque fois, je dois aller vers le gros point jaune. Hein. Hein. Ah, sinon, il y a également un point jaune qui est un des joueurs hein, qui est présenté par la couleur jaune. Attendez. Tentez d'aller vers le sac où il n'y a personne à côté. Encore là, ça va, c'est pas non plus extrêmement dur puisque... on n'est pas énormément quoi. Mais qu'est-ce que... Attendez. Champion de concentration, mémoire. Ouh, il est mort. Oh yes. Oh. Ah bah, je me suis fait buter par l'autre. C'est ça qui est saoulant, genre quand on vient juste de réussir à tuer un mec et on se butait par un autre mec. D'ailleurs, je me suis fait dépasser par l'autre là. Le seum. Bon, j'essaie de me rattraper. C'est où qu'il y a un autre sac, Homer? Ok, pourquoi je parle en langage Homer, moi? C'est débile ou quoi? Oui, je sais qu'il faut capturer les sacs. Pas la peine de me le rappeler, la voix. Alors. Yes, des sacs. Attendez d'aller vers celui-là, là-bas, là. Vite, évidemment, faut appuyer sur triangle pour récupérer le sac. Non, là, là. En plus, il m'a tiré un tir en pleine tête. Un tir à la tête. Bon. Vite, meurs. Oh, enfoiré. Excusez-moi pour l'insulte, hein. C'est pas bien dire des insultes, hein. Bon. Faut vraiment que je me dépêche parce que là... J'ai tenté de tuer le mec qui a le sac là. Oh non, maintenant en plus on est 4. Oh là là, mais c'est pas possible ça. Ouais là, on commence à être beaucoup sur la carte et du coup ça commence à devenir compliqué là, là. Hein? Bon, c'est pas grave, mais c'est vrai que c'est assez saoulant quoi. Hein. Bon. Je vais rester sage ici et dès qu'il y a des sacs, je me dirige vers le sac où il y a le moins de personnes autour. Hein. Si possible, il y a carrément personne autour. Hein. Là-bas, par exemple, là. Ça, c'est un bon endroit, ça. Qu'il n'y a vraiment personne de chez personne ici. Donc, vite. Oh. Alléluia. Vite, en plus, c'est juste en face. Si je meurs juste à côté. Oh, il m'a tué en pleine tête. Mais je m'en fous, puisque j'ai capturé un sac. Oh yeah. Mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a dans les sacs de l'or, quoi? Ah, j'ai reçu un message. Donc, est-ce que je le lis? Bah, attendez, vous savez quoi? Je vais juste aller le lire vite fait. Mais je mettrai un cache. Hein. Et on continue. On continue de gamer. Vite, je me dirige vers le sac. D'ailleurs, j'ai perdu un petit peu de temps là. C'est pas grave. Plante le sac. Voilà. Quand même, le mec, il est culotté hein, de m'envoyer un message pendant que je fais ma vidéo là. Bon, après, non plus, il pouvait pas forcément deviner que je faisais une vidéo. Oh, punaise, en plus, il y a un mec juste derrière moi là. Non. En plus, vous voyez, j'essayais bien de tourner en zigzag et tout pour qu'il m'évite. Enfin, pour qu'il arrive pas à me viser, mais bon. Ils sont tombés. Hein. Ils sont plus forts en multi qu'en solo, je crois. Hein, je crois que c'est définitif. Définitif. Ah, d'ailleurs, je suis encore deuxième. Décidément. Moi, même quand je suis une pause pour envoyer un message à un mec au beau milieu de ma partie, ben. J'arrive quand même à garder mon classement. Hein.
Allez, une petite pause message. Ah bah je suis toujours de me faire buter, c'est pas grave. J'étais en train de parler aussi, c'est pas de ma faute, hein. C'est pas de ma faute, ok, hein, hein. Ah bah ils vont encore m'envoyer le même message. Bon attendez, au pire je lui répondrai plus tard. Je sais pas chanter, alléluia, je sais pas chanter. Je sais pas chanter, alléluia, je sais pas chanter. J'ai toujours deuxième, et non. Eh ben il m'a buté. J'avais plus rien à faire. Dans ces situations-là, on n'a qu'un choix. C'est mourir. Oh, comment le mec s'est fait projeter. Je sais pas si vous avez vu. Probablement oui. Vous n'êtes pas aveugle. Oh non, Mifflin USA gagne. De toute façon, je suis deuxième, alors c'est déjà pas mal. J'avoue que Red Dead Redemption, c'est quand même moins stressant que Kid Icarus sur la 3DS, même si ça n'a rien à voir, mais bon, je viens de penser à Kid Icarus, je sais pas pourquoi. Voilà, alors. Bon écoutez, qu'est-ce que je fais? Je vais revenir en mode exploration, hein. J'essaie de voir s'il y a des gens au canon, et s'il n'y a pas de gens au canon, bah, je vais changer de partie, hein. C'est cela pas glam du tout. Non, de la pipe en bois. Oh, gueule. Non, j'ai quand même. Alors. J'espère qu'il y a des gens au canon, hein. Non, le seum. Le seum. Bon. J'aurais bien aimé pouvoir faire des canons. Enfin, pouvoir tirer sur des gens. Et tout dans cette vidéo, mais bon. J'ai pas pu tirer sur des gens et des canons dans cette vidéo, malheureusement, mais bon, je vais quand même essayer d'y aller. Voilà, parce que peut-être qu'il y a... attendez, ah non, il y a quelqu'un qui m'invite dans son groupe. Il est où? Le mec qui m'a invité dans son groupe là, il est où? Parce que d'habitude quand je me suis intégré dans un groupe, on demande normalement. Ah voilà, c'est nuit. Raptox 18. Donc ce certain Raptox 18. Sur la carte, il est où ce Raptox? Ah bah, quel débile, il est juste à côté. Juste là. Salut mon pote. Raptox 18. Hein? Super prénom, enfin super pseudo, je voulais dire. Bon, n'empêche, le Super Gamer 78300. Je me suis pas non plus trop cassé la tête avec le pseudo, mais bon, c'est pas grave. Hein. Pas que le pseudo dans la vie. Qu'est-ce que je venais proposer, tiens? Je venais proposer quoi? Où est-ce qu'il va juste là? Parce que ce serait cool, n'empêche, qu'on puisse aller au canon. De toute façon, au pire, s'il y a des moments inutiles et tout, je couperai comme d'habitude. S'il y a des moments qui servent à rien, hein. Je verrai dans les montages. Salut mon copain, est-ce que je te tue? De toute façon, je peux pas tuer les gens de notre équipe en général, sauf peut-être avec des couteaux de lancer. Il me semble que je peux tuer son cheval, je crois. Sinon, avec de la dynamite ou des bouteilles incendiaires aussi un peu, mais bon, dans ma partie, je suis pas suffisamment... Enfin, dans la session que je peux jouer en ligne, je suis pas suffisamment avancé en solo. Du coup, j'ai pas de bouteille incendiaire et tout, malheureusement. Hein? Par contre, dans la partie où je peux pas jouer en ligne, hein, je suis hyper avancé et tout. Non, mais laisse, quoi. Pédé! C'est de maman, va! Espèce de biche que j'ai tué, va! Bon, on fait quoi? Oh, merde. Ah maintenant, il va croire que j'avais envie de le tuer. J'espère qu'il n'a pas cru ça. Voilà, je vais là-bas. J'espère qu'il a compris le message. En fait, je voulais lui faire comprendre que... je voulais aller là-bas, là. J'espère qu'il a compris le message. Hein, parce que moi, en fait, pour communiquer avec des gens, j'ai des manières un petit peu spéciales. Hein. Alors,
Y a quoi là? Ah bah d'ailleurs je crois que je suis déjà allé ici hein, en solo hein. Attendez, je regarde juste où est-ce qu'il y a d'autres gens. Pas compris le message. Ah si, je pense, je sais pas. Attendez, je vais le suivre, on va voir où est-ce qu'il a envie d'aller, lui. L'adlog, je vous jure, l'adlog. Je vais tenter de me verrouiller l'endroit où il y a les canons. Que je veux à tout prix. Allez, là, il y a les canons, c'est mon seul objectif. J'espère qu'elle a compris le message, qu'en fait j'ai envie qu'on aille à un endroit où il y a les canons. Voilà, ce serait belle quoi, qu'on doit tout faire à pied et tout. Quoi? Alors. Viens l'autre ou quoi? Hein? Allez-y. Est-ce qu'il avance sur la carte? Bah non, on dirait pas. Hein. C'est pas grave. En plus, ça fait 26 minutes. Oh là 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 là. C'est quoi? Je vais aller à un endroit où. Je bug, ça y est. Ah voilà, à l'endroit où on peut faire du transport. Je vais tenter d'aller là-bas. J'espère que cette vidéo évidemment vous aura plu. Blablabla, blablabla, blablabla. Je vous ferai des vidéos en multijoueur du mode partie en bande. Car ma dernière vidéo du mode partie en bande, ou mon avant-dernière, je sais plus laquelle. En tout cas, celle, en tout cas, ma vidéo, c'est du sérieux multijoueur ou pas dans Red Dead Redemption. Et bien celle-ci, bah, elle avait bien marché et tout. C'était en mode partie en bande et tout. Et tout. Hop là. Quand je joue en multijoueur, j'aime bien mettre à tuer des gens sur mon chemin. Je trouve que c'est marrant en fait. De faire son gros sadique. Hein. It is a normal. Voilà. Normal. T'as le moule. Bon. Je me dirige vers ma légendaire destination du Grand Wanma. Ce qui souvent empêche qu'on puisse pas non plus téléporter quand on veut avec le campement. Comme en mode solo. Ah d'ailleurs le mec de mon équipe il a disparu on dirait. Attendez je regarde dans les joueurs. Ah bah oui maintenant j'ai plus personne de mon équipe, c'est pas grave. Ah lol. C'est pas grave. Ah d'ailleurs si vous voulez hein, dans les gens qui regardent cette vidéo, si vous voulez, vous pouvez décider. Si vous voulez, vous pouvez faire une vidéo avec moi, hein, il n'y a aucun problème. Attendez. Pourquoi je me retrouve entre amis, là? Ah, c'est bizarre, ça. Ah, peut-être celui qui m'avait envoyé un message qui m'a invité, je sais pas. C'est louche, tout ça, attendez. Pourquoi je suis en mode exploration entre amis, là? C'est quoi, ce délire? Non, il y a... Oh, par contre, il y a des gens au canon. Yes. Attendez. Je retourne là. Génial. Allez, on y va. Par contre, il n'y aura pas vraiment le... Par contre, finalement, je pense que le moment où j'ai envoyé le message au mec, à la personne qui se trouve dans ma liste d'amis de la PlayStation 3, et eh ben je pense que je zapperai le moment où j'ai envoyé le message. Bon, écoutez, la vidéo va être trop longue et donc au revoir à la prochaine vidéo.